Alors, Azali Koluka,
Luka Azo pouvoir na makasi. Oye nyoso, azali ko Luka a renverser les autorités établies, ma pessimio congolais, zela ya kolongolaye, on a dit ça en article 64, ya pouvait connaître aussi, oye lobi ke kote nyoso, azali capable ya kote kisa. Oye nyoso, azali ma kalisima be contre les autorités établies. Alors, on a dit ça en article 64, article 64 de la Constitution, notre mot côté a kote kozoa, pouvoir na makasi ya boka. De mon côté, à côté pour finir la chef de l'État, qu'on l'a mis sur l'article 64 de la Constitution, mais de mon côté, à côté de la télévision, à Zali, qu'on le voit renverser le pouvoir dans ma casse, pour voir la place de la prison. Il y a un peu de temps à moi. Pour que tu prennes sa pétition, on a dit ça, la Cour de cassation. Le niveau de la Cour de cassation, monsieur, maintenant, en fait, dans une image l'année, il y a le samedi 11 mars 2020, il y a le bâti chef de l'État, il y a le bâti de la Boka, pour consommer la lobité, a violé ordonnance l'année, les alliés, Hollanda, et la Boka. Alors, je fais ces hommes électriques, on réunit ce qui est l'esprit à Mouyibi, et on peut vous aller là, mais pour l'imanima, il y a un bâti de Colorana, et on est là. La République démocratique du Congo. Mon cannabis est dans un procès à Kimia. Je suis un bon cas de force commune. Je suis un bon cas de force commune. Je suis un bon cas de force commune. Mais si tu es créé état de droit, on a un bon cas de force commune. Mais Moutoumoko Boye a demi, a zobi que chef de l'État violé Mobeko Likunzi,
l'article 85 pour que Bafunda chef de l'État y ait son place naïe. Est-ce que Moutouana Ligny Congo? Est-ce que Moutouana Zali Koloba que chef de l'État a violé Mibeko pour le chef de l'État? Pourtant, chef de l'État a violé Mibeko. Azali Moutoumalam? Loko la Zali Moutoumabe, il faut attendre place naïe Zawapi. Place naïe Zawapi. Alors, Bafunda qui est déjà plein, qui est déjà en cours de cassation, les autres ont ça la pétition pour que le peuple congolais baloba. Mais cet Mwamba, nous l'avons déjà accusé. Na niveau de la cour de cassation, pour déposer qui plainte d'abaisse avant-hier. Les autres ya qui pour nous signer cette pétition pour que peuple congolais à la témoin, Yamabe ya sali, crime ya sali, infraction ya sali babé na gango, offenser le chef de l'État. Le colaïe a offensé le chef de l'État, a zali coupable selon notre loi. A offensé na nengenene, selon Mibeko Yamboka, ma offense à chef de l'État na trois critères. Na grimace, na menace, soit na nyonso et zali ko qualifié comme ma fingi. Alors ceux qui ont zali ko la grimace na chef de l'État. On zali ko dénigrer chef de l'État. On zali ko comme image na yamabe pour la exposer faiblesse na yé. On zali ko menacer yé. On zali la carte infraction. Mais bozaki na ngai na top Congo, tambo mamba alobi na chef de l'État. Ngai na bino tolandi état d'urgence au chef de l'État proclamé Kakana Radio, nous allons inviter été. Accueillir plus loin à l'Obi, ce genre de gaffe, nous n'allons plus le tolérer prochainement. Ce qui montre que le chef de l'État a gaffé devant M. Tambo Mwamba. Alors cette forme de gaffe, Tambo Mwamba a côté qu'à la cotolorée et on les souhaite à la prochaine. Ces propos et alli offensant envers le chef de l'État. Azali Kolobelango wapi na media. Mais Azali, deuxième institution ya mboka. Infraction grave selon la loi du pays en son article 78. Article 64 pétition seconde zela ya kwampeshe mutu nyonso alingazwa pouvoir na makasi. Yango biso ba congolais conformément à l'article 64. Conformément à l'article 27. Article 27 et lobby congolais nyonso. Chef de l'État, et salut pénal. Yango, Lelo, Batubatika, la Baza Kobia.
téléphone na bango lobi tolobaki boye tozo pesa cash de na gel gel tozaki kozala au moins 4 ou 5 cartons ba gel tozo eza carton moko ekoka bato te tokopesa ndambu te c'est à dire lobi na 10 heures ba église eza na lute lobi tokokabola mena gel cash ne kozala te wana lobi lelo bazozela biso te quelque part pona cash ne il faut tokoma tosala yango à titre symbolique est-ce que toyokani est-ce que Bolingi Tambo Mwamba attendait? Est-ce que Bolingi topé sa pétition à la procureur près de cour de cassation? Est-ce que Bolingi a l'ouan à Sénat? Est-ce que Bino Boko Sepe la bas finira chef de l'État? Est-ce que Bino Bolingi Moutumoko va nous menacer chef de l'État? Est-ce que Bino Bolingi Moutumoko Boya va nous outrager chef de l'État? Yango article 64 puissance est là. Moutumoko sont confinés chef de l'État. Moutumoko sont allés. Constitution yamboka ezali kobunda la chef de l'État. Mutesa fini chef de l'État kobunda na yete. Metika loi yamboka yamoboko ekangaye. Lokola lelo kleboa ekangaye mekoka. Est-ce que natangi koba moto? Lokola mubeko likunzi yamboka ekokanga pembe kotambo mamba. Ezali pétition. Ba pétisi batu batu talaka. Ndenge totelemi boye eza deja mabe. Je cache les naïos que Nakandaku, les alliés qui se protégeaient contre les malades de la COVID-19. Mon nom est Sakoki Kozalanango, il est tout à côté de la Yango. Bonjour, oui, donc nous sommes dans un état démocratique. La, signer la pétition, c'est un droit d'un Congolais. Si le Congolais se sent lésé, il a le droit de se plaindre. Il a le droit de se plaindre. Alors, lorsque nous signons la pétition, c'est-à-dire nous exprimons notre sentiment, parce que nous sommes dans un pays de droit. Est-ce que vous êtes sûr que votre pétition va aboutir, va atteindre le niveau? Ça va aboutir. Pourquoi? Parce qu'il y a une infraction qui est constatée. L'offense à la personne du chef de l'État. Pardon? Tout ce que nous pouvons dire, c'est de l'encourager. C'est de l'encourager. Oui. Merci. Bonjour. Oui, tu es d'accord pour nous signer. Tu as dit que tu as détruit Mboka. Palais du peuple pona kobundisa fati po a réussir te na manda na ye oyo mais ba on peza ba miyibi mineno ba ba ngonde ba seli tu pona oboma mboka oyo to lingi bango te mbota papa journaliste bon en tout cas eza pasi mingi pona mboka na biso na parti na biso ya IDPS na koki ko se représenter en tant que mobilisateur ya parlement debout de martyr de bonhomme en tout cas na za mobilisateur na deuxième personnalité avec beaucoup de regret pona nini bato to pesa confiance to meka ko tambusa na bango mboka o ya Congo ezalaki na libulu na kati lelo bango chef de l'état na biso à saleli problème au tolobaka constitutionnel. Cela veut dire chef de l'État azo saleli mon côté to sangani bande ko mususu bato FCC gash to sangani biso nyonso mendenga chef de l'État informa ki bango baye komone ke bazama yele ko le chef de l'État na biso bale ki ba kongole tu nyama yele après ça moyibi wo ya mbongo Kamere wakanyingi vita avandeli mukanda yango bake koloba n'importe quoi contre chef de l'état na biso en tout cas ntambo mwamba ozali déjà mukolo tozana ba jeune belé
Tosengi, en tout cas au nom de la démocratie, en tant que je suis mobilisateur, Batika Fachi, Asala Moussala na Kimia, Tozana Bajen Carson et Bele, Bakoki Kosunga Biso, Namboka Congo, et Kendelibos. Votre avis par rapport à la pétition. Yakolo Bezate, d'abord, Moutoua signé accord. Ya état d'urgence. Kaka Moutoumoko en lobby, chef de l'État violé constitution. Non, état d'urgence, c'est la constitution. Yangouana to lobby boye. To vandina banguna, bisona FCC, to lobby orange. Tambo mwamba osa déjà mokolo, tikanzela na biso, chef de l'État na biso, to koki kobatele malam, ako kako konzamboka na biso ya Congo mala, malam. Yo soko mimoni ke yonde nzambe, tika mboka ya Congo, soke kokufwa, nzambe ye moko, ako kunda yango. Oui, bonjour. Papa Tomoni, awa, de bonhomme, merci, 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 bon, n'ayez pas la consigne, bah, répétition. Pour dire à M. Alexis Tamouamouamba que Atika, parce qu'il a, il a beaucoup volé à Yibi Mingi, parce que Bangonde Badako combat un beau cannabis. Baling que Mbokawe est béba. Baling que le chef de l'État a échoué. Alors, Tolingé, M. Alexis Tamouamba, Atika Sénat, parce que à Yibi Mingi, ils ont beaucoup volé. Balingi bango na ba vita kamere ba continuer ko détruire mon cannabis. Alors tolingi sous makamona te batika fachi a travaillé to sing na bango batika. Bonjour respecté. Bonjour. Ah papa to pa la bino kona to moni bino pa la bino le na simano ah ba to sini petition ta la sita mamba. La réaction des andengoni. Bon, la pétition est constitutionnel. Je crois que lorsque les gens signent la pétition, ils sont en train de revendiquer un droit. Étant donné que nous sommes dans un pays de droit, revendiquer un droit n'est pas anticonstitutionnel. Ils sont dans leur droit de revendiquer. Alors ma position est positive. Je crois que nous sommes sûrs de ce que nous faisons. Parce que nous sommes dans le droit de revendiquer contre une infraction qui a été commise. Bon, moi je m'imagine que je ne veux pas, je me réserve le droit de citer les noms des gens, mais tout ce que je sais est ceci. Un pays est dirigé par quatre organes. Nous avons la présidence de la République, nous avons les conseils législatifs, les conseils exécutifs et les conseils judiciaires. La présidence, c'est une institution qui est au-dessus de toutes les institutions. Moi, je m'imagine que toutes les autres institutions doivent aller de pair avec l'institution présidente de la République. Étant donné que l'IDPS a souffert pendant plusieurs années pour déclarer l'état de droit, aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit. Dans l'état de droit, c'est-à-dire le peuple congolais qui a souffert pendant plusieurs années, il doit se retrouver. Et lorsque le chef de l'État, il pose un acte dans les prérogatives de ses fonctions, l'acte qui va dans le sens de faire jouir le peuple congolais, les autres institutions doivent être d'accord avec lui. Mais s'il y a une opposition quelque part, c'est-à-dire que les autres institutions manifestent l'adversité contre le chef de l'État, cela voudrait dire que cette institution-là est contre le peuple congolais. Et celui qui ne veut pas que le peuple congolais se retrouve dans ce droit, moi je crois que sa place n'est pas au Congo. Parce que nous ne sommes plus au temps où il faut chercher les intérêts privés, mais il faut plutôt chercher l'intérêt de la population. Le patriarche Etienne Tshisekedi wa Mulumba qui est décédé, il est mort mais son esprit vit. Il a dit le peuple d'abord, c'est-à-dire il faut que le peuple se retrouve. Depuis que nous sommes sortis de la colonisation depuis 60 jusqu'à ces jours, le peuple congolais il est toujours en souffrance.
À quand la fin de cette souffrance? Moi, je crois que le temps est arrivé, comme l'IDPS qui est au pouvoir, qui revendique l'état de droit, tout en respectant les mots d'ordre laissés par le patriarche, le peuple d'abord. Je crois que tout acte posé par le président de la République et le magistrat suprême, dans le cadre de sauvegarder l'intérêt du peuple congolais, tout celui qui va à l'encontre, c'est-à-dire sa place n'est pas au Congo. Et ça constitue pour moi une offense contre le chef de l'État, qui est le magistrat suprême, l'institution suprême du pays. Est-ce que vous ne sentez pas avec le système de signature de pétition populaire, vous ne sentez pas que vos armes sont encore propagées à la coronavirus? Est-ce que vous êtes en sécurité pour se protéger? Oui. Les lots Fati Aye, Fati Beton, Bic Rouge, Origé Bango, Atec, Grâce au Félé. Ok, awa tozali na commune à Matete, tout précisément na des bonhommes. Tozali koko ba deuxième journée na biso ya pétition o tozali ko signer contre monsieur Tambo Mwamba. Bino moko bomoni nombre ba congolais o bandimi ko faire partir Tambo Mwamba de la tête ya Sénat. Ba congolais ba lobby boye. Même soki to yakite bango moko balinga ba se mobiliser na session ordinaire ba benga na Tambo Mwamba na niveau ya parlement. Tambo Mwamba a outragé le chef de l'État. Il a offensé le chef de l'État. Il a violé l'article 3 de la Constitution. Article 64, Pesibison Zela, il a coté les mélaillés. Article 27, Pesibison Pouvoir, il a coté la pétition. Il y a un autre deuxième jour, il y a un autre signé la pétition contre Tambo Mwamba. Tokotambo, les 24 communes, il y a province, il y a Kinshasa. Tokotambo, il y a une commune, il y a un collègue qui a battu que, il y a légal. Onyo so balingi baya pembe na biso ba suga biso parce que tozo sala comme ngeza sauvons le Congo pétition ezali pa mbate ezali pétition o ezali ko salema en fonction ya infraction ya sali mokolo ya le 11 mars 2020 monsieur Tambo Mwamba azui maloba du haut de la chair ya émission face à face na Top Congo. Alobi, chef de l'État, a violé l'article 85 de la Constitution. Gafoya Sali, prochainement, va tolérer Yangote. Mais tant que vous avez propos de envers chef de l'État, ils ont menacé. Or, dans la rentrée judiciaire, il y a 2007, procureur général, il y a la Cour suprême, il a dit qu'il y a infraction pour confesser chef de l'État. Alobi, Moutou Nyonso, ou Azali Kogrimase, chef de l'État, Azali ko sale infraction. Moutounyon soit Azali ko menace chef de l'État, Azali ko sale infraction. Moutounyon soit ko bimisa image à chef de l'État, pour ko nuire na personnalité naye, soit ko nuire na personnalité juridique naye, Azali ko sale infraction. Voilà pourquoi biso ba congolais to initia ki pétition, ou Azali ko tambola na toutes les communes, ya ville province de Kinshasa, et ko kende pe na ba province, ba tu apoto ba ko signé yango na niveau internet, soki to kokisi 100 000 signatures. De déposer yango na cour ya cassation. Procureur près de la cour de cassation, azui yango, batale analyse, ba bengisie. Ce qui va convoquer ye, directement va mettre fin à la fonction na ye, comme président ya Sénat, objectif ya pétition yango wana. Pétition to sali yango, en conformité avec l'article 27. Congolais à lobby, moto abomisa batu. Moto azaki na RCD goma wana, bato ba menesa ki République démocratique du Congo. Ce monsieur là, Alexis Tambo Mwamba. Les lois en la leçon à copier, c'est ce qu'il dit. Parce que c'est qu'il y a ça, la rébellion. Mais il y en a commis copier sa leçon à la télévision en violant même l'article de la Constitution comme protection. Il y en a une. Il y a qui convoqué, il y a qui invité, il y a qui état d'urgence. Il y a qui esprit de nuisance à la personne du chef de l'État. Il y a qui esprit, il y a traîtrise envers le chef de l'État. Il y a qui complot monté contre le chef de l'État pour renverser la place. Or, Constitution et lobby. Moutou Nyonso a besoin de pouvoir dans ma casse.
Azan a besoin de renverser les autorités établies. Congolais n'ont soit les mélayés. Biso ba congolais to télémeli tambo mamba to lobby a lungwa na sénat a dirigé biso li susuté parce que président sénat zaka voté ou élu par ba député provinciaux. Ba député provinciaux ba zaka voté par le peuple. Donc pétition est signée par le peuple, donc tambo mamba doit partir. Pourquoi? Parce que azali ko dirige institution monene ya mboka, ma azali ko dénigrer chef de l'État. Selon l'article 3 de la Constitution, ma institution est salemi pour que et vivre en harmonie, pour que basili sa impunité, pour que gouvernance est à la malame. Mais est-ce que la bonne gouvernance est allée lelo entre institution Sénat et le président? Non. Est-ce qu'il manque de conflits entre le Sénat et le président? Non. Or, le président chef de l'État est allé institution. Maintenant, comme il y a une causalité entre le Sénat, c'est-à-dire violer l'article 3 de la Constitution. D'où il faut lobby, il faut allonger le Sénat. Na pesi maloba na mama di fafalo. Merci beaucoup. J'espère que le loisa deuxième jour na biso pour na pétition. To bandaki depuis lobby tozoko bana musala na biso parce que peuple a tomboki. Peuple a lobby toboyi Alexis Ntambwe po ACG na Sénat parce que azo mérité té. Azo mérité qu'on a la place ou à te, parce que premièrement, azo tous à mon consambo kate, ce que mouto azo tous à mon consambo kate, c'est-à-dire même peuple congolais, on a la confiance na été. Alors, nde biso toye mkolo yalelo li soussou, tozo sala moussala, tozo koba, j'espère que tozo souka wate, tozo tambola tous les 24 communes, peuple ye moko, azo zwa makambo en charge, a signé pétition contre Alexis Ntambwe. Pona tozo senga démission na ye immédiatement toza na posa na ye lisusu na senate toboyi peuple nyonso azoyo kabiso bisika nyonso bozwami boya bo signer pétition na biso po to sala to bengana bandongolo miso bazolinga avancement ya mboka te nde maloba muke na zalaki nango ya kopesa peuple na biso. Merci beaucoup. Mono vanyonso mchuluba. Bon.